Hey, ici Kamaï, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Voilà. En fait, à Noël, j'ai eu un parapluie parce que mon ancien parapluie était tout cabossé, tout troué, tout vraiment. Voilà. Et donc, j'ai récupéré cet ancien parapluie et je l'ai transformé en autre chose. Ben, c'est dans le titre de la vidéo, hein, mais voilà. Du coup, j'ai découpé tout le tissu imperméable du parapluie et j'ai remarqué qu'en fait la forme, ça me rappelait la forme d'une jupe. En fait je regarde beaucoup de vidéos où les gens ils fabriquent des vêtements et bah, la forme du parapluie, c'est à dire avec plein d'espèces de triangles, ça m'a rappelé ces jupes que les gens font. Et donc ce parapluie, je l'ai transformé en jupe. Donc je vais vous montrer des photos pour vous expliquer. En fait, il y avait un trou sur le dessus déjà, mais sinon on aurait pu en couper un. Et en fait, j'ai élargi le trou, en fait, en coupant plein de triangles. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne quelque chose comme ça, et du coup avec des triangles. J'ai pas coupé sur les coutures parce que sinon couper le fil, bah, ça voudrait dire qu'après ça aurait pu filer jusqu'en bas. Et donc du coup j'ai plein de petits triangles comme ça. Voilà. Et du coup j'ai coupé jusqu'à une certaine profondeur, on va dire. Juste pour que ça s'adapte à la taille à ma taille quoi. Ah oui, à ma taille de taille. et puis voilà, sauf que pour l'enfiler, il fallait que ce soit un peu plus large, parce qu'après que ça se referme. Du coup, j'ai prolongé une des ouvertures, celle-ci, et en fait j'ai cousu des boutons pour le refermer, et de l'autre côté j'ai fait des ouvertures, donc juste en donnant un coup de ciseau comme ça, une petite ouverture, et puis ben, j'ai juste à glisser le bouton dedans et ça tient. Et donc voilà, et du coup je me suis fait une jupe imperméable, très légère aussi. Mais c'est pas une jupe que je vais porter, je sais pas, au lycée ou dans la rue, mais peut-être une convention. Donc voilà, juste une petite vidéo rapide pour vous montrer comment j'avais fait. J'ai un nouvel élément sur mon mur, et c'est une carte postale. À nouveau, une carte postale scout. Alors c'est dans ce sens en fait, mais je me suis trompée, je l'ai accrochée à l'envers, alors bon, bah, je l'ai laissée à l'envers après. Donc en fait, silhouette de scout, et il y a un grand feu derrière. Je pense qu'elle a été un peu photoshopée l'image, parce que le feu est vraiment, il y a des fils qui partent du feu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous vois et vous me voyez bientôt. Are we gonna have a problem? You've got a bone to pick? You've come so far, why now? Are you pulling on my dick? Oh, normally I slap your face off in everyone who could watch. But I'm feeling nice, here's some advice. Listen up, biatch. Dun 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 dun.